savez, je me pose souvent des questions existentielles comme pourquoi la vie ou pourquoi la mort? Et putain, ce que c'est chiant! Pourquoi c'est salé la mer? Les émissions de télé-réalité, c'est le seul programme où t'es content quand il y a la pub. En fait, tout ce qui se passe dans Game of Thrones, c'est à cause d'un putain de sanglier. Quand il pleut, ça se trouve, c'est les nuages qui sont tristes. Donc quand il neige. Oh! Pourquoi il y a une selle sur les BMX? En fait, les chaussures que tout le monde essaye dans les magasins, c'est un peu comme un pédiluve. Si Dieu n'existe pas, le mec qui a écrit la Bible, il a dû se taper des putains de barres. Est-ce que les pharmaciens, ils ont un entraînement spécial pour déchiffrer les ordonnances des médecins? Pour faire la voix de Rico de Madagascar, ils ont enregistré le son d'une gorge profonde. En fait, les pubs pour les médicaments, c'est destiné que aux médecins et aux pharmaciens. Et les personnes qui ont peur du noir. Mais est-ce qu'il y en a qui ont peur de la lumière? Si ça se trouve, le mec qui a écrit la jument de Michaud, c'est un Stark. Est-ce qu'on peut porter plainte contre le tonnerre pour tapage nocturne? Le mec qui a créé l'école, on peut le comprendre, parce qu'au final, il y est jamais allé. Si ça se trouve, le Joker, c'est Ronald McDonald qui a mal tourné. Les pancakes devraient s'appeler des mini-crêpes. Est-ce qu'on peut s'étouffer avec une crotte de nez? En fait, elle est page 1 à 20 dans un manuel scolaire. Personne ne sait ce qui est écrit dessus. C'est quoi leur problème avec la salade chez McDo? Plus on vieillit, plus on privilégie le côté pratique à l'esthétique. Heureusement qu'on vit pas 200 ans, hein. Parce que sinon, les vieux, ça serait des putains de gros beaufs. Pourquoi les chauffeurs de car, ils écoutent tous Alouette? Si une astronaute accouche dans l'espace, son enfant, c'est un extraterrestre, on devrait faire des pains au raisin sans raisin. Pour ceux qui n'aiment pas le raisin. L'avantage qu'il y a à être aveugle, c'est que t'économises de l'électricité.